Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à regarder en barre d'infos. Alors sur ma chaîne on parle principalement budget et beauté, et là on va parler système des enveloppes, donc si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo qui va t'expliquer comment commencer, qu'est-ce que c'est, enfin voilà, toutes les informations dont tu auras besoin. Et alors, c'est vrai qu'on parle souvent sur cette chaîne de budget, de beauté, mais je crois que je vais être obligée de rajouter quelque chose, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, c'est que j'adore créer, voilà, c'est vraiment ma passion, j'ai une boutique où je vous propose mes créations et là j'en ai fait une nouvelle que je vais vous montrer juste après où encore une fois j'ai monté un petit peu le niveau, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant je vous proposais des agendas faits main avec des sequins mais c'était plutôt en plastique, papier, tout ça. Là je suis passée au niveau supérieur dans le sens où c'est beaucoup plus solide puisque c'est du cuir, du simili-cuir. Voilà, c'est des vrais agendas solides comme on peut trouver sur le marché en vente et tout ça. Donc je suis trop fière. Je vous montre ça et je vous en parle après. Ça va être la première info. Deuxième info, je vais vous montrer aussi les deux dernières créations que j'ai qui vient de la boutique de Resin Art by Lily, qui est Linda, de l'univers de Linda d'ailleurs. De l'univers de Linda, oui, il me semble que c'est ça. Je vous mettrai tous les liens bien évidemment en barre d'infos, qui fait des créations en époxy, et je vais commander disons deux couvertures chez elle et je vais mettre mes créations dedans et je vais vous les proposer à la vente, mais je n'en ferai plus d'autres puisque les formats A5 je vais essayer de faire comme celui que j'ai fait en format A6, sauf que j'ai pas pu le faire en A5 puisque j'avais pas encore tous les outils qu'il faut. Et du coup, je vais faire de vraies couvertures en simili-cuir en format A5. Donc, je vous présenterai les deux derniers modèles que je fais en époxy. Et, enfin, que je fais, moi, je ne prépare pas la couverture, on est bien d'accord. Et aussi, une dernière chose, ou pas, parce que peut-être que j'en rajouterai entre-temps. J'ai ouvert une chaîne secondaire qui n'a rien à voir avec le budget, rien à voir avec la beauté. C'est plutôt pour le côté gamer, détente. Avec mon mari, on joue à des jeux, voilà, sur Twitch. Et on fait ça en live, en fait, avec vous. Et ça fait quelques temps, du coup, maintenant que je le fais. Tiens, je vous en avais pas encore parlé, là, sur YouTube. Voilà, c'est chose faite. C'est Motashi TV, je crois qu'on s'est appelé. C'est ce que on s'appelle pas souvent en fait, hein, mais je crois que c'est, en tout cas c'est sûr, c'est Motashi. Je vous laisse pareil tous les liens en barre d'infos et voilà, n'hésitez pas si vous aimez bien vous détendre, jouer à des jeux. On avait commencé par un jeu d'horreur, on avait commencé par Resident Evil 7. Là actuellement on est sur Horizon, et qui est un très très joli jeu. Et puis on fera aussi quelques fois des petites vidéos react, détente, voilà. Là pour l'instant, en tout cas, on s'amuse bien. Donc n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou. Sur ce, nous allons nous retrouver aujourd'hui. C'est surtout pour parler du deuxième bilan. Deuxième bilan du mois. Vous allez voir qu'il s'est passé plein d'imprévus, notamment un souci de batterie. Si vous me suivez sur Instagram, tout ça, vous le savez déjà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou TikTok, puisque principalement Instagram, c'est là où je suis le plus active. Mais sinon, voilà, j'ai aussi Facebook et TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir toutes les infos en temps et en heure. Voilà, et en plus sur Instagram je fais des lives sauvages, des lives VIP, des lives clandestins, appelez ça comme vous voulez, ou par exemple le dernier modèle que j'ai créé, je l'ai fait entièrement en live, donc avec vous, et voilà, je vous montre comment je crée mes outils en live. Je les mets pas en rediffusion pour ne pas inciter les gens à refaire du copier-coller avec ce que je fais, donc c'est vraiment pour un moment de partage. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur la table pour faire ce bilan. A tout de suite. Je vais commencer du coup par vous montrer ma toute dernière création. J'en suis trop fière. Voilà, vous voyez ça comme... Alors c'est un effet de texture, je sais pas comment ça rendra en vidéo, mais c'est vraiment en fait très texturé. On dirait que ça brille de mille feux quand je fais comme ça. Le tissu est très joli, hein. C'est du simili-cuir. Donc voilà ceci, j'ai renforcé les coins avec des coins en métal. J'ai mis le petit bouton pression et à l'intérieur c'est comme ceci. Alors pour les prochains, je vais juste changer l'intérieur parce que là en fait c'est le prototype que j'ai fait, mais que je vous propose du coup à la vente parce qu'il est très joli. Et j'ai changé le tissu intérieur pour les prochains.
Parce que je vais en faire d'autres. Je pense en faire de ce modèle-là, deux voire trois. Je pense quelque chose comme ça. Deux voire trois autres qui seront comme ceci. Et le reste, je vais passer à un autre modèle. Et bien sûr, certainement, peut-être que j'en referai pour faire un format A5. Pourquoi pas faire voilà, ça à chaque fois les modèles que vous voyez en A6, les faire en A5. Je vous montre aussi à l'intérieur, puisque j'ai investi avec ma boutique, dont vous ne verrez pas apparaître dans les dépenses. Mais j'ai investi dans une nouvelle Cricut. Et du coup, je peux faire les intercalaires à la Cricut. Et comment vous dire, moi, je suis très contente. C'est coupé à la perfection. J'ai laissé... Bon, après, je vous explique vite fait, parce que je vous ai déjà montré tout ça sur les réseaux. Donc... Je vais aller vite fait, mais je vous explique. Je n'ai pas plastifié la feuille parce que je voulais vraiment garder l'effet de côté mat, côté brillant. Alors, vous verrez peut-être pas à la caméra, mais c'est doré holographique. Voilà, et tout ce qui est à l'intérieur, ça sera doré holographique. Le washi tape est doré holographique. Et j'ai fait exprès de laisser les trackers plus petits que les enveloppes parce que j'aime beaucoup cet effet-là, en fait. On voit le tracker et on a l'enveloppe juste derrière. Donc voici pour le tracker, donc c'est les trackers comme j'ai fait la nouvelle version. Donc si jamais les trackers vous intéressent, ils sont sur ma boutique Etsy, pas du tout, ils sont sur mon site internet au prix de 2€ pour ceux qui ont les... je ne ai pas encore mis les neutres, parce que aux 2€, là où il y a déjà le nom des catégories et là où il n'y en a pas de nom de catégorie, comme par exemple celui-ci, pas celui-ci mais celui-là, ils sont comme ça, ceux-là sont au prix de 1€. Voilà, donc ensuite pour l'enveloppe, c'est des paillettes dorées holographiques, mais encore pareil, je ne suis pas sûre que vous verrez bien à la caméra. Bon, vous voyez quelque chose de doré, c'est doré holographique et j'ai mis avec les petits stickers comme ceux-ci qui sont faits à la Dimo manuelle, je ne sais pas trop comment on appelle ça, et j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup le rendu, je ne vous montre pas tout, vous avez compris le principe. Voilà pour après les feuilles, ça c'est basique, et puis la pochette en dernier. Voilà, après c'est le contenu habituel, c'est juste vraiment ce qui change, c'est c'est la version, voilà, beaucoup plus solide. Là vous pouvez y aller, hein. Je vous montre un exemple. Ça du coup c'est du plastique et des feuilles cartonnées, hein, voilà, c'est solide, hein, pour un A6. Par contre ça passait pas en format A5, c'est pour ça que je faisais avec les couvertures époxy. Mais du coup, bah là, on a du costaud, hein, c'est rigide. Hein. Donc voilà, je suis trop fière, je dois dire. Et alors, autant ceux-là étaient au prix de 60€, ceux-là seront au prix de 70€. Voilà. J'espère qu'ils vous plairont. Il sera sur ma boutique, celui-là, du coup, mercredi prochain à 21h. Et ensuite, je vais vous montrer, du coup, les deux créations que j'ai reçues de... l'univers de Linda. Je vous montre ça de plus près. Je suis en train de créer justement avec celle-ci. C'est bon, ma prochaine création qui j'espère sera disponible d'ici mercredi. Enfin, sera finie d'ici mercredi. Alors, vous voyez, il y a des cœurs holographiques aussi. C'est-à-dire que quand on bouge, il y a un effet bleuté. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra encore une fois. Et en fait, c'est blanc nacré. C'est un blanc avec des reflets violets. Encore une fois, je ne suis pas sûre qu'à la caméra, vous voyez quelque chose légèrement, mais dites-vous qu'en vrai on voit le côté holographique ressort beaucoup plus. Donc voilà celui que je suis en train de vous préparer pour mercredi. Et ensuite j'ai celui-ci qui sera dispo, alors on n'est pas mercredi là, mais plutôt le mercredi prochain. Ça sera vraiment mes deux derniers. Après moi je ne ferai plus du tout de couverture époxy, donc si jamais ça vous intéresse, les liens sont en barre d'infos. Je peux pas vous donner les prix parce que moi elle m'a fait un prix comme pour moi puisque c'était pour la revente, et c'est pour ça aussi que j'arrête, c'est parce que si je les achetais chez elle, j'ai pas trouvé quelqu'un qui faisait moins cher que mon premier fournisseur en fait. Donc pour quelque chose que je vendrais à 70€, ça me revenait sinon à moi aux alentours de autour de 17€, je crois. Ça me faisait largement moins, ça me faisait moins de 20€, je crois que c'est aux alentours de 17€ de marge pour moi, pour quelque chose que je vends à 70. Enfin, vous comprenez que c'est pas forcément très intéressant pour moi vu le temps que j'y passe. Donc voilà mes deux dernières créations, très jolies. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique de Linda et sur sa chaîne YouTube d'ailleurs. Hop, et nous allons commencer tout de suite. J'installe ma petite trousse, hop, holographique, oui. Et je sors ceci pour mon budget mensuel et mon fameux porte-monnaie Anneke que j'adore. Alors,
Vous allez voir que cette semaine, c'était un peu particulier. La carte bleue a été beaucoup de fois sortie, un peu trop. Et là, je me rends compte qu'il va falloir que je me calme. Je sors du coup... Alors, il y a 22 euros, hop, qui a été fait à Dinofolie. Faut savoir que c'est le jour où j'ai eu un problème avec ma voiture. Donc, j'ai mangé directement là-bas. Donc là, c'est le prix de l'entrée plus à manger. Et j'avais pas assez dans le loisir. J'avais pas assez dans le loisir ni dans divers, donc j'ai payé avec la carte, hein, la facilité, hein, voilà, hein, c'est le problème. Hein. C'est la facilité, c'est avec la carte, par contre là il faut vraiment que je me calme, parce que sinon je vais pas pouvoir me payer encore le mois prochain si je fais encore des écarts comme ça, puisque du coup j'ai dû me faire un virement de 50 euros sur mon compte personnel, de mon compte pro à mon compte personnel. Ça c'est l'essence, donc ça on verra après. On va regarder encore les dépenses qu'il y a eu, ça aussi à Action. Bah, ce fameux jour où j'ai eu un souci avec ma voiture, en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais, bon pareil, vous me suivez sur Insta, vous le savez, ce qui s'est passé c'est que je n'avais plus, enfin j'avais un souci de batterie et du coup il fallait que je roule pour que ça se relance, qu'un voisin m'a gentiment aidé à faire redémarrer la voiture et bah du coup j'ai roulé, je me suis dit bon bah je vais aller jusqu'à Action. J'avais rien de spécial à acheter, hein. Bon, bah, j'en ai eu pour 45 euros. Bon après j'ai acheté quand même pas mal de trucs pour mon fils. Et là c'est pareil, je me dis est-ce que je prendrai pas les sous que je lui ai mis pour justement... Je sais pas, j'hésite vraiment de toucher les sous. Là j'arrête de lui acheter des trucs, c'est bon. Hein. C'est bon, là faut que je fasse vraiment attention ce mois-ci. Donc on va arrêter les dépenses, surtout qu'à la fin du mois il y a les vacances. Donc voilà, j'ai dépensé 45 euros Action, 22 euros à Dinofolie. Donc en tout, plus l'achat que j'ai fait pour lui, hein, de 40,52 euros, on était à 107,52 euros. C'est pour ça que j'ai dû me faire un virement de 57 euros, puisque bon, il me restait que moins de 20 euros sur mon compte. Je me suis dit, s'il y a quelque chose qui passe, que ça bloque, non, je vais remettre des sous. J'aime, voilà. Donc finalement, grâce aux sous que j'ai remis, ça fait que 17 euros de dépenses. Mais voilà, là maintenant, stop. Stop, stop, stop les dépenses. Stop les dépenses, voilà. C'est un message à moi-même. Arrêtons d'utiliser la carte bleue. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, j'ai payé avec ma carte pro les 150 euros de batterie. Parce que du coup, ma batterie, bah, quand j'ai essayé de repartir de chez Action, bah, je suis bloquée. Parce que finalement, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, bon bah allez, un changement de batterie, et bah voilà, le prix d'une batterie, 150 euros. Et ce que je vais faire, c'est que là, j'ai retiré les sous de mon épargne, je vous montre ça de suite, comme ça, vous voyez. Et, chose importante à savoir, c'est que quand vous êtes chez Boursorama Bank, vous pouvez pas vous-même remettre les sous en banque. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il vous faut une personne de confiance. Moi, la personne de confiance, c'est mon mari. Je vais lui laisser les sous et il me fera un virement. Voilà, normalement on était à 280, j'ai enlevé les 150. Donc il reste plus que 130 en voiture. Heureusement que j'ai cette enveloppe. Bon, à la base, c'était surtout pour, pas les imprévus voitures, mais c'était pour les plaquettes de frein. Pas les plaquettes... Oui, c'est ça, les plaquettes de frein qui devront être changées. Bah écoutez, déjà il me faudrait que j'aie demandé à mon mari un devis pour que je sache exactement combien il faut avoir dans cette enveloppe et je la remplirai, bah écoutez, prochainement. Mon futur, et ça va changer bientôt. Voilà, je vais faire des changements pour moi. Bref. Donc voilà mes petites mésaventures. Donc c'est ce jour-là, hein, où après tout ça m'est arrivé en matinée et après je me suis lâchée un petit peu à Dinofolie. J'avais pas envie de rentrer manger chez moi pour repartir là-bas. Parce qu'à la base, ce qu'on devait faire quand j'ai pris la voiture, c'était aller à Dinofolie. Action, c'était pas prévu. Voilà, en essence, j'ai fait le plein en GPL et pas vraiment en essence. Le GPL, c'est bon, je l'ai mis à fond. Mais l'essence, j'ai pas rempli à fond. Mais à quelques euros près, je pense. Donc 99,36€, je crois moins de 30 euros de GPL et 70 euros d'essence. Donc voilà, donc j'ai arrondi à 100, hein, pour les quelques centimes qui restent. Donc des dépenses 100 euros. Il va falloir très prochainement que je remette du GPL, mais ça sera certainement avec les sous de mon mari peut-être, puisque la fin du mois il est en vacances. Sinon, on verra. Sinon, il faudra piocher dans l'enveloppe vacances. Alors, alimentation. On continue. Continue les dépenses. 2,97€ à la boulangerie, 88 euros à Intermarché, 11 euros alors 19,55€, ça c'est Gaspicasse,
Les 11 euros, c'est... Ah oui, le sandwich. On s'est acheté des sandwichs. Parce qu'on s'est fait, on a fait une sortie. 3,50 € encore à Gaspicas. Pour vous montrer un petit peu les achats que je peux faire à Gaspicas. C'est un magasin de discount alimentaire. Ça peut être vraiment très très intéressant si vous en avez autour de vous. Là, je me suis fait plaisir. J'ai acheté des œufs qui sont déjà battus en neige. Avec de la crème anglaise pour me faire des îles flottantes. J'en ai eu du coup pour 3,90 €. Des bonbons pour le petit, 90 centimes. Là, c'était l'achat plaisir hein, puisqu'on avait déjà tout acheté. Des tortillas, 2,50 €. Par contre, j'ai un paquet. Franchement, il y en a beaucoup dedans. Les lions éclats croustillants. Alors ça, par contre, franchement, alors il y a par 3, donc il y avait 3 sachets de 100, 250 grammes. Mais j'ai dû tous les jeter parce que la date de péremption, souvent, des fois, les dates de péremption sont dépassées. Hein. Ça pose pas des fois, ça pose pas forcément de problème, sauf pour les choses fraîches, hein, bien évidemment. Mais là, franchement, c'était pas bon. Donc, en fait, on a dû tous les jeter. Donc, c'est 2,90 € à la poubelle. Mais bon, c'est le jeu. Maintenant, on n'achètera plus ça. Et les pizzas de Manos que je déclassais. Alors, pourtant, elles sont très bonnes, hein, mais c'est peut-être visuellement, c'est pas bien mis. Il y a un truc qui va pas dedans, en fait. Et 1,30 € la pizza, soit il y a une remise avec. Donc, t'as les 3 pizzas pour 3 €. Voilà, 1 € la pizza. C'est très intéressant. Donc c'est pour ça que souvent on se fait le plein de pizza là-bas. Et le divers, elle n'a pas compté grand chose. On s'est pris. Alors dans les divers, donc dans les 5,50 €, il y avait deux barquettes de ravioli plus deux lots de viande soja ou des trucs comme ça en fait. Et il y avait autre chose, mais je ne m'en souviens plus. Enfin bref, à chaque fois elle fait des prix, c'est super intéressant. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a moyen de dans ce genre de magasin de trouver des petits trucs comme ça intéressants, comme voilà, hein, malheureusement, c'est le jeu, il y a des fois des choses intéressantes et des choses un peu moins. Donc en tout, ça fait 125,45 € de dépenses pour cette semaine en alimentation. Ça fait un peu beaucoup, surtout que normalement, on a une base de 110 € alimentation, entretien, hygiène, bébé. Donc ça fait, voilà, là ça fait un peu beaucoup, la semaine prochaine il faudra qu'on fasse attention. Mais encore une fois, la dernière semaine on est en vacances, donc ça devrait passer. Voilà, alors santé, j'avais rien prévu ce mois-ci parce que tout est en épargne, donc si je dois piocher, ça sera directement là. C'est une erreur hein, parce que normalement je mets tout le temps un petit peu, ne serait-ce que 10 €, j'aurais pu mettre, histoire de ne pas être à zéro dans cette enveloppe-là au cas où. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va essayer de faire 100. Animaux, 10 €, voilà. Donc là, c'est si on a besoin pour acheter des croquettes, pour l'instant, c'est pas le cas. On a acheté, dans les 3 €, en plus, là, il y avait 10 boîtes de pâté à 3 € pour le chat. Donc, sachant qu'une boîte, elle fait la journée. Voilà, donc très intéressant aussi pour ça. Donc là, le billet de 10, pour l'instant, il reste là. Loisirs, du coup, en fait, je suis allée à Dinofolie, mais j'ai utilisé la carte. Donc, il y a toujours les 14,30 €, mais je vais rajouter pour cette troisième semaine les 10 €. Comme ça. Alors, je ne sais pas si je retournerai à Dinofolie de suite, parce que mon fils m'a fait une scène là-bas. Il m'a mis la honte, hein, en plus de me taper devant tout le monde, de ne pas m'obéir, de faire mal à son frère. Enfin, bref, c'était... et d'embêter tout le monde. Il a été en crise, mais je le sais maintenant, il faut que j'arrête de persister. Le matin, on sort, mais l'après-midi, il faut qu'il fasse dodo, parce que sinon, c'est une peste. Donc, en fait, c'est juste qu'il est fatigué, donc il est sur les nerfs. Donc, loisir, voilà, hop, les 10 euros, c'est mis. Encore restaurant, 20 euros, il y avait les 10 euros là, et j'ai encore pioché dans l'épargne. Donc, ça, c'est pareil, je vous montre. Donc là, on n'en a plus, donc il faut qu'on se calme aussi, hein, avec ce que... Voilà. Faut qu'on se calme avec les restos, parce qu'à chaque fois, je me dis, j'aimerais bien faire autre chose qu'un fast-food, et puis finalement, on en revient toujours au fast-food. Alors... L'enveloppe restaurant, je crois qu'elle est quelque part ici. Voilà, elle est vide. Il y avait 10 euros, j'ai pris les 10 euros dedans. Voilà, il n'y a plus rien encore dans cette enveloppe. On avait réussi à sauver 30 euros le mois dernier. Mais ils sont déjà tous partis. Beauté, j'avais mis les 50 euros pour me faire les cils, c'est chose faite. Les 50 euros sont partis et ça m'a coûté 45. Donc je l'avais mis là derrière. Hop, ah oui, je crois que j'ai un bon d'achat. Hop, oui, ça je le garde, de 10 euros. Ah, ça c'est cool. Donc, j'ai 10 euros de bon d'achat. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, alors je crois que la prochaine fois, je pourrai pas y aller pile poil quand ça fera 3 semaines. Donc, ça sera pas 45, ça sera normalement 55 ou 50, je sais plus. Mais grâce à mon bon d'achat, ça fera comme si, comme d'habitude en fait.
Donc les 5 euros, bah, je vais les prendre, je vais les mettre de côté, hein, écoutez, hop. Et donc ça, c'est 45 euros, ouais, voilà, c'est le comblage des cils pour 3 semaines. Et il me semble que pour 4 semaines, c'est 50. Donc avec 10 euros au moins, j'en aurai pour 40. Peut-être même que je ferai des économies à ce niveau-là. Donc c'est cool ça, parce que ça, j'y vais tous les mois. Hein, c'est mon truc, tous les mois, je fais ça. Et maintenant, je fais les ongles aussi. Donc ça, c'est bon, c'est fait. En mode, il y a toujours les 20 euros qui sont là, on les laisse. Anniversaire, les sous sont toujours là. D'hiver, du coup, bah pour combler le McDo, hein, parce qu'on n'en a pas eu que pour 20 euros, hein, à 3, McDo c'est cher aussi. 14,80 € qui sont partis. Il me semble que pour McDo, on n'avait eu que 31 € je crois, et quelques. Et les autres sous sont partis dans autre chose, mais je ne saurais plus vous dire quoi. Voilà. Et dans d'hiver, du coup, il reste... non, c'est ses loisirs, pardon. Dans d'hiver, il reste 5,50 €. Mais l'enveloppe d'hiver, ça c'est pareil, c'est... je vais pas les vider les 5 €. Je vais essayer de pas y toucher jusqu'à la fin du mois pour les pouvoir les mettre de côté. Parce que si j'enlève les 5 € là, j'aimerais 50 centimes dans d'hiver, c'est-à-dire que si à un moment donné il manque un peu tout dans une enveloppe, je vais être embêtée. Donc je les laisse là. Et voilà, tout le reste, Maël, il a toujours ses 20 €. Nathaniel, il a toujours ses 20 €. Mon mari aussi. Et moi aussi. Voilà, vous voyez, c'est dommage parce que... j'ai les sous qui sont là et je suis à, j'ai dû me faire un virement de 50 €. Donc bon, c'est pas grave, ça va le faire. Alors du coup, défi 5 €. Alors ça, c'est bon, je peux ranger. Prochain que je vais avoir pour mon anniversaire qui est à la fin du mois, c'est le grand format. Il va falloir que je change de sac. À moins que je garde celui-là pour cet été. Ah, il y a un petit truc qui part. À moins que je garde celui-là pour cet été et pour cet hiver, je change de sac. Je verrai. Allez, 5 € en défi 5 €. Hop, on le met. En vente, alors vente, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, le mois dernier, ce que j'avais fait, c'est que j'avais eu 50 € de commission et je les avais mis sur mon compte professionnel. Or là, ce que je vais faire, c'est que les commissions de Joli Moi, je sais même pas si j'ai dit, chez je, parce que je suis styliste beauté chez Joli Moi, donc n'hésitez pas, il y a le lien en barre d'infos si vous avez besoin de conseils. Voilà, moi j'ai un CAP, j'ai fait une école de maquillage artistique et j'ai fait le CAP esthétique. Et puis je suis passionnée là-dedans. Donc si vous avez des questions, si vous voulez vous renseigner, voilà, c'est un autre moyen aussi de me soutenir. Hein. C'est que des marques hein, que je propose sur la boutique. C'est que des marques et de très jolies marques. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour s'il y a quelque chose qui vous plaît, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Donc là c'est pour cette, pour tout le mois. Hein, depuis le début du mois, je suis à 24,09 €. Et d'ailleurs si vous voulez participer aussi à l'aventure, j'ai déjà une personne dans mon équipe. Il me reste encore une place. Pour le moment, donc si vous voulez faire partie de l'aventure Joli Moi, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse mail qui est juste en barre d'infos. Donc voilà, 24,09 €, je l'ai mis là parce que du coup ça va me faire partir de mon salaire en fait. Donc voilà, ensuite épargne mensuelle, du coup bah j'en ai pas cette semaine, hein, mais moi vous savez, le plus gros de mes épargnes c'est plutôt à la fin du mois. Et en bonus sur eBay Club, donc sur eBay Club, c'est un site de cashback, une application de cashback. Et vous avez aussi possibilité de faire du cashback avec des bons d'achat en alimentaire dans des grandes enseignes type Carrefour, Intermarché, etc. Où vous avez de 2-3% de cashback. Ça peut être très intéressant puisque finalement vous payez vos courses comme d'habitude et ça vous rapporte un petit peu de sous et vous avez un lien de parrainage en barre d'infos et c'est grâce à vos liens de parrainage que j'ai pu avoir 6,08 €. Donc encore une fois c'est notre façon de me soutenir tout simplement, c'est en utilisant mes liens de parrainage, donc merci à vous parce que les 6,08 €, bah, c'est grâce à vous. Donc voilà, en bonus pour cette semaine. Et bah du coup en monnaie j'ai rien et je suis en train de me dire que j'ai pas regardé pour la crypto, mais non mais ça c'est normal, je le fais plutôt à la fin du mois. Donc voilà pour ça, ensuite... hop. On va regarder. Alors sachez que je suis en train de préparer un nouvel agenda pour la rentrée. Enfin j'aimerais bien qu'il soit fini pour la rentrée, qui sera vendable qu'en physique par contre. Et que je vous préparerai moi intégralement. D'ailleurs j'ai une question à vous poser. Je vous la pose là et je ferai un sondage aussi certainement Insta. Du coup je suis en train de me dire, est-ce que lorsque je ferai l'agenda, est-ce que vous voulez que je le fasse en format A5 avec une couverture que je verrai fait moi, ou alors je fais comme j'ai fait là avec les anneaux. Voilà, quel type d'anneau vous préférez, ceux-là ou ceux-là?
Et surtout, quelle pochette? Ça, c'est du papier cartonné et des feuilles plastiques. Ça, c'est du simili-cuir. Donc, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous préférez. Je ferai un sondage aussi Instagram. Alors, juillet. Hop, on est ici. On va regarder ce qui s'est fait en juillet. Donc, cette semaine, les mouvements, donc vous avez pu voir, juste pour vous dire, du coup, on reste à un positif de 247,11€. J'ai encore 247,11€ à pouvoir dépenser. Donc ça, c'est une bonne chose entre les sorties et les rentrées, enfin, et l'argent que j'ai. J'ai même un peu plus en réalité parce que j'ai pas mis les sous de mon mari, tout ça, et moi qu'on a, mais qui sont restés dans mon budget mensuel et pas dans mon budget pour la semaine. Donc j'ai pas compté. Alors pour le total des dépenses, ça c'est des fichiers que vous retrouvez sur mon site internet hein, si jamais vous intéresse, ils sont au prix de 1€. Pour le total des dépenses, c'est là que ça pique un petit peu. Alors vous avez vu, hein, ça c'est les feux traction, hein, comme je vous ai dit, le lot de 24. Faut pas acheter le lot de 24. Ils sont vraiment pas top. Cindy de la chaîne Cindy N, qui a une chaîne YouTube, c'est pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Bah, dis donc, j'ai beaucoup de chaînes à mettre en barre d'infos. M'a conseillé la marque Cultura, les semi-permanentes Cultura, il paraît qu'ils sont très bien. Donc, en total des dépenses, cette semaine, on est à 471,61€. Alors que d'habitude, on est entre 150, 200, 250 max. Donc là, ça pique un peu, mais c'est normal, il y a les 150€ pour la voiture aussi. Donc en tout, depuis le début du mois, on est à 652,25€ de dépenses. De sortie d'argent. C'est énorme, surtout que sachant que je me suis pas payé ce mois-ci, tout ça, mais heureusement, c'est la plupart des sous étaient dans les enveloppes. Ensuite, au niveau des épargnes, du coup, j'ai eu les ventes de joli mois, donc 24,09€, j'ai eu un billet de 5 et j'ai eu le cashback à 6,08€, ce qui fait un total de 35,17€ d'économiser cette semaine et un total depuis le début du mois, du coup, de 50,17€. Voilà, ça c'est rassurant, ça fait plaisir. Hop, hop, hop. Ça s'abîme quand même le papier et le plastique. Hein. Je tiens à vous préciser, depuis que je l'ai fait quand même, on voit ça se décolle un petit peu le plastique par ici. Ça vieillit moins bien. Hein. Et comme je vous en ferai un temporel, c'est-à-dire qui ne sera pas daté, je me dis que quelque chose avec le simili-cuir, ça peut peut-être être plus sympa. Et voilà, et le reste, ça sera en vue d'ici la fin du mois. Je vais juste faire une dernière aparté. Ça fait une semaine que j'ai les ongles concernant les presseurs nails. La vidéo va sortir mercredi, donc je vais vous tenir au courant. La vidéo, c'était le moment où on a fait la pause. Et vous allez voir, par exemple, est-ce que vous voyez, celui-là, il bouge pas du tout. Celui-là, vous voyez, il bouge. Celui-là, à mon avis, il est prêt à tomber comme celui-là. Il bouge, mais vous en avez... Celui-là, il bouge pas du tout. Celui-là, un petit peu. Celui-là, pas du tout. Et celui-là, un petit peu. Mais voilà, et celui-là aussi, un petit peu. Mais ils ont vachement bien tenu. Ça fait du coup bah, plus d'une semaine. C'était vendredi dernier que je les ai faits. Donc, j'attends qu'il y en ait un qui tombe pour tous les enlever. Bon, là, vraiment, vous voyez, celui-là, vraiment, il est sur le point. Mais tant qu'il s'enlève pas tout seul, j'ai pas envie de tirer dessus. Donc voilà, et à mon avis on fera certainement une autre vidéo pour bien vous montrer comment on les dépose dès qu'il y en a un qui s'en va, et on fera certainement une nouvelle pause. Voilà, c'était la petite aparté, j'ai hâte de vous montrer la vidéo sur les ongles, parce que ça veut dire que du coup ma copine aura lancé sa boutique et j'ai trop hâte pour elle. Voilà. Voilà pour ma semaine qui a été on va dire que... Heureusement que je fais le système des enveloppes pour justement, quand il y a des soucis comme ça, bah, je peux vous dire qu'on est bien content d'avoir de l'argent de côté. Donc voilà pour ça, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Je vous souhaite également une très belle semaine à venir, cette troisième semaine. Nous, bientôt, c'est les vacances. Sachant que peut-être il va y avoir un déménagement en plus entre ça, j'ai rien prévu pour le déménagement. Mais bon, en même temps, si jamais je déménage, je pars pas en vacances. Donc peut-être que les sous des vacances partiront dans le déménagement. Je ne sais pas encore. Bref, n'hésitez pas, si vous êtes curieux, à me suivre sur Instagram, puisque c'est là où je vous dirai tout ça, Instagram, Facebook. Et voilà, donc merci le système des enveloppes. N'hésitez pas à me dire, vous, cette semaine, combien vous avez réussi à économiser, à épargner, ou vos bilans des dépenses. Voilà, n'hésitez pas, on est là aussi pour partager. Je partage avec vous, partagez avec moi, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. À la semaine... très bientôt, mercredi prochain, hein, pour parler des ongles. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao. I know you told your friend.
Tell me what's wrong and why you never.